Je suis heureux en vérité d'avoir toujours à mon côté un ange tutélaire, c'est un prince du paradis, de Dieu c'est l'un des favoris, la terreur de ses ennemis, enfin l'un de ses purs esprits, qui n'ont rien de la terre. Son pouvoir est très étendu, il peut lui seul par sa vertu renverser tout le monde. Il est d'un aspect ravissant, c'est un très clairvoyant, très subtil et très agissant, qui peut même dans un instant passer la terre et l'onde. Étant si parfait, il veut bien être lui-même mon gardien pour aider ma faiblesse, car il me forme, il me conduit, il me reprend, il m'avertit. Il me défend sans aucun bruit, et l'ennemi qui nous séduit perd toute sa finesse. Il me préserve à tout moment de plusieurs fâcheux accidents qu'on aurait peine à croire. C'est par son inspiration que j'ai de la dévotion. Il me fait vaincre le démon, surmonter la tentation, remporter la victoire. De qui prend-il tant de soins? Hélas, il se court au besoin. Un pauvre ver de terre, un pauvre pécheur, un néant, qui pour tant de bien qu'il lui rend, refuse un remerciement, et qui sachant qu'il est présent n'a pas
soin de lui plaire. Je veux mon bon ange gardien, mettre dedans votre entretien toute ma complaisance. Je vous rends grâce de l'honneur que j'ai d'avoir votre faveur. Je vaincrai le grand tentateur, vous ayant pour mon protecteur contre son insolence.